qui est chez vous et ouvrir un autre dans une autre banque. Bon, tout de suite, toi, elle a changé d'avis. Vouloir changer de banque pour trouver satisfaction, c'est parfois le dernier recours que le client a à sa disposition. Pour améliorer le service et favoriser la concurrence, la nouvelle loi sur la mobilité bancaire vise à faciliter les démarches. En Polynésie, les banques disposent de 10 mois maintenant pour offrir ce service à leurs clients. Nous n'avons pas, par exemple, une transaction qui nous permet instantanément d'identifier tous les prélèvements et tous les émetteurs qui sont répertoriés sur le compte d'un client. Donc nous allons investir dans le système d'information pour pouvoir répondre à cette nouvelle obligation. À partir du 1er juillet 2019, toute personne désirant changer de banque n'aura qu'à informer la nouvelle banque. Ce service sera gratuit et le délai de 25 jours. 5 jours pour l'ancienne banque afin de transmettre toutes les données bancaires le concernant et 20 jours pour la nouvelle banque pour remettre en place les différentes opérations. Il y a plein de démarches à faire. C'est carrément contraignant. Hein. Parce que c'est pas possible si nous on bouge. Sinon, la banque, c'est bien, moi, je resterai dans cette banque. En fait, ce serait pas mal aussi, mais franchement, je préfère ma banque. La deuxième partie de la loi concerne les comptes dits dormants. Les banques devront désormais justifier de démarches faites pour retrouver les propriétaires de ces comptes inactifs. Dans l'impossibilité de les identifier, les sommes seront reversées à la Caisse des dépôts et consignations.